Bonjour à tous, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous apprendre à jouer Time of My Life du film Dirty Dancing. Alors, on va déjà voir les accords. Le premier, c'est l'accord de E, le mi majeur. Le deuxième, l'accord de C dièse, Do dièse majeur. Ensuite, on a un accord de D, le Ré majeur. Je passe au pont. On a l'accord de A, le La majeur, accord de G, Sol majeur, et l'accord de B7, le 6/7. Alors, dans l'intro, je n'ai pas fait de rythme, puisqu'il n'y en a pas. Hein. Dans l'intro, vous marquez le premier temps de chaque mesure, avec donc les trois accords qui sont notés sur la partition. Je vous rappelle que la partition est dans un lien sous la vidéo. Alors, en ce qui concerne le rythme, alors moi j'ai choisi un rythme et vous pouvez, si vous avez un petit peu d'imagination, faire ce qui vous chante. Alors voilà celui que j'ai écrit en bas de la partition. Je vous montre sur l'accord de E. Donc c'est ba, 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 avec un mouvement très léger du poignet. Je recommence. Ah oui, petite précision, dans la première partie, j'ai joué le couplet, je n'ai joué que 8 fois l'accord de E, alors que dans la chanson, il faut jouer 20 fois. C'était pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, rien de bien compliqué, si ce n'est si, oui, il est barré pour l'accord de C dièse. C'est sûr que si vous ne maîtrisez pas votre barré, ça va être compliqué. Alors, pour simplifier le barré, vous pouvez très bien ne pas barrer la quatrième case et mettre votre index sur la quatrième case de la petite corde. Mais par contre, il faut gratter que les quatre dernières cordes. Donc vous pouvez faire ça, ou pour ceux qui maîtrisent, ça. Donc ça, c'est plus simple, mais il faut jouer que les quatre dernières cordes, ou bien l'accord complet en barré. Un autre accord qui n'est pas facile, c'est l'accord de B7. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.